Salut les amis de la brique, décollage immédiat. Pour le mercredi créationnari, épisode 7. Oui, et je continue toujours, parce que moi déjà de une ça me plaît, et puis vous commencez à regarder un peu plus. J'étais vraiment content, alors c'est vraiment parce que peut-être c'était trop dur pour vous la fois précédente, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas nombreux à avoir trouvé, c'était bel et bien un âne. Voilà. Non, bien sûr, c'était un avion. Ce coup-ci c'était vraiment simple. Alors est-ce que c'est pour ça que vous avez tous participé? J'en sais rien. En tout cas, apparemment ça vous a bien plu. Vous avez été nombreux à répondre. J'espère que la série vous plaît. Moi, elle me plaît énormément. C'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse avant de passer à, comme d'habitude, tirer le dé, etc., etc., etc. Je voulais vous dire deux, trois petites choses. Le 1er avril, je vous avais demandé pour des lives, etc. J'ai eu mes réponses, mais j'avais en tête aussi de faire un live, mais justement pour un mercredi créationnari, et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous, ça vous intéresserait d'avoir un live mercredi créationnari? Alors, je vous explique vite fait comment je vois ça. Je vois ça très simplement. On fait comme ce que je fais là à peu près le mercredi. Bien sûr, ça serait pas un mercredi, hein. On fera ça un jour où tout le monde. Enfin, ça vous arrange plus, je pense, un week-end. On peut même envisager un petit peu plus. Comme par exemple, je sais que EVBricks, oui, c'est pour toi ce petit message, je sais que t'as la boîte. Maintenant, il y a peut-être d'autres personnes qui ont la boîte, mais je sais que EVBricks, lui, il en a une. Alors on peut même envisager à la limite faire un live à 3, pas trop parce que ça risque d'être vite compliqué, mais peut-être à 3 et puis chacun son tour, on essaye de faire deviner, puisque c'est ça bien le but du jeu, on vous construit en live, ou alors on va déjà rester sur l'optique où je le fais tout seul, je construis en live et c'est celui qui trouvera le plus vite qui gagne. Et à la limite on peut faire un système de points, voilà, on donnera des points à chacun, tac, toi t'as trouvé un point, tac, etc., etc. Et moi de mon côté, je peux même envisager de donner un petit cadeau, ou peut-être une figurine à gagner, ou un petit truc juste pour que ça soit sympathique. Et puis même, je pense que l'ambiance, ça peut être sympa. Discuter, enfin passer une petite soirée mercredi créationnari, chacun de son côté, mais en même temps tous ensemble. Moi, je suis vraiment chaud pour faire ça. Maintenant, moi j'aimerais, voilà, j'aimerais votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous ça vous branche, si vous êtes chaud pour faire ce genre de soirée. J'avais pensé à ça. Après, je suis pas fermé pour des lives montage, ça c'est ce que j'avais dit. Mais j'avais aussi en tête ce côté-là. J'ai attendu de vous le dire ici, parce que c'est l'endroit plus stratégique, on va dire, pour parler de tout ça. Parce que je sais qu'on n'est pas tellement nombreux à regarder le mercredi Créationnari. Mais moi, je suis chaud pour faire avec les personnes qui sont motivées. Donc voilà, c'était une petite idée que j'avais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous branche. Et j'organiserai ça. De l'autre côté. Les personnes qui ont un créationnari, je veux bien avoir votre opinion aussi de savoir s'il y a des gens qui seraient intéressés pour faire le live à plusieurs. Voilà, vous me dites aussi dans les commentaires. On peut même envisager de ne pas avoir la boîte, hein, forcément. Que même si on l'a pas, si vous avez assez de vrac par exemple, et que vous êtes chaud pour faire des petites créas, mais vraiment des créas rapides, comme là l'avion avec quelques pièces, essayer de faire deviner quoi. Si quelqu'un a assez de vrac et qui veut participer, il n'y a pas de souci aussi, hein. Là, je pars sur l'idée de la boîte parce que je l'ai, etc. Mais on peut aussi envisager que même si la personne ne l'a pas, et que voilà. Donc, dites-moi juste si déjà ça vous branche l'idée. Et puis, s'il y a des gens qui ont envie de faire un live avec moi, s'il y a des motivés, dites-moi. Voilà. Ça serait bien, peut-être 3 ou 4 maxi, pour que ça soit pas trop compliqué. Voilà. Je pense que c'était déjà assez long, cette petite explication. Mais j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Donc, je vais tirer une carte. Alors, je suis content quand je vois ce qu'il y a à faire deviner. Pouf, bref. Bon, on va déjà tirer le dé, voir ce qu'il en est. Ah, encore. Bon, décidément. Du coup, je vais faire un véhicule et je reviens tout de suite vers vous. Putain, bordel. Comment je vais bien pouvoir faire cette merde? Bon, tu sais quoi, au pire, ils sont pas censés le savoir. Je vais simplement leur faire autre chose. Choisir un autre truc au pif sur la carte. Je prends une autre carte. Ouais. De toute façon, personne ne saura rien. Hein. Je pourrais faire ça en fait. Bon, ouais, je vais faire ça. Bon, on s'en fout. Hein. Bon, après, j'aime pas trop. C'est pas très honnête comme truc. Bon, je vais me démerder. Hein. Ils trouveront jamais. Alors, les amis, me revoilà. C'était très dur. Bon, à aucun moment j'ai hésité, hein. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire vraiment tout jusqu'au bout. J'avais franchement pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit ou de tricher, hein. Donc, du coup, voilà, hein, voilà. Moi, je comptais pas du tout faire ça. Mais je vous avoue que c'est dur.
Là, je peux comprendre qu'il y aura peut-être pas de prochain numéro, mais bon. Voilà. Donc, oh. Suspense. Abracadabra. Voilà. Alors, les amis, je suis vraiment désolé, c'est très, 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 très compliqué. Alors, franchement, si vous trouvez pas, bah, je suis vraiment désolé, hein. C'est vraiment trop compliqué. Bref, les amis, voilà. Et ben, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo, si ça vous intéresse de faire un mercredi créationnari en live. Et sur ce, bah, les amis, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à commenter. Oui, c'est bien le but de commenter, puisqu'il faut deviner l'objet ci-dessous, qui compte ici. Et voilà, et ben, du coup, aussi, ce qu'il faut faire, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné, bah, je sais pas ce que t'attends, ah bah, abonne-toi, abonne-toi. Allez les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ouais, bref. À plus.